La saison des ouragans qui a officiellement débuté, en fait, on se rappelle, le premier ouragan de la saison dans le bassin Pacifique du nom de Agatha, qui a frappé plus tôt cette semaine le Mexique. Son intensité était telle, en fait, qu'on prévoit que le système pourrait se redévelopper dans le bassin Atlantique, ce qu'on appelle le transfert, en fait. Deux localisations sont possibles, dont la plus probable de se transformer en tempête tropicale serait dans la péninsule du Yucatan. Si tel était le cas, son nom serait Alex, et on prévoit son développement vers le nord-est, en fait, jusqu'à samedi, où on pourrait observer sur Cuba, les Caraïbes, ainsi que le centre de la Floride, des crues soudaines. Rappelons que pour observer une tempête tropicale, il faut des vents qui dépassent les 63 km/h. Déjà que le phénomène de transfert soit plutôt rare, en fait, ce serait la première fois qu'on en observe un au mois de juin dans l'histoire.